Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La ça va, oui. Ah, Moudia, Moudia. Je suis là, je suis là, je suis là. Hé, je numéro à enregistrer, Manetou. Voilà, je suis là, je suis là. Hé, Aguila, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Ah. Boke kana wota nan na wafala mube mota makodon de eh eh ade ala ka mutangay men ganno ko model tan mosom ah benu kamemu apa o moyen tan apa ngata ga ite bu mole ko ne dalen to pi nyamata di population ta kafala kali fune pa da bine yire bin ko lan tan dalen tan goni tan na abbe ngata tan bin do de na de ke fa ka ko me fa ne ngana kala ne e ko ta bin ni ko no rati ha ko na ngana ga de ina na bele gale tu alfa ko na bele gale birim mo foro ki ajiba na kay birim mo foro alo producer kana na nyaa ni se ma kamya mo gale ma binya ko tende ma ah ko na amiye de ina ina ma binya de ko tende ma ba ka jiko ali ma du ki oki kana tin pe de famille na ga ni ga famille tanto ko la ko ni keke mana e pe de famille na ira alfa ko na ba na 80 90 ans amuno ko la ka me pe de famille na la ko na ma na de tanto ko pe de famille tan mara wallahi agoro kota Ma ha fa mi tu. Dele na neki. E na ha gina kama na neki. Hai ma bi neki ne mo kola bi ne ma ha gina kati. Hai ma fa fini ne mo kola kama ha gina. Aku ne tam le. Al fa kona bo ma fa ne tete ma. Ta pa fasi. Aha tu mo tira le gina kade. Bo ke ke wo ma. Ala ba no kodo ko mu umma. Bo ke ke wo ma. Ne na ko ti mu ma. Bo ke ke wo mu ma. Ala ba wo ke ti mo de mo tono. Ba ala ta ma di mo ko ba ala ti na na wo ni. Kere na 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 ma mu ti mo ko da ko me ngara. Kere mpa na na. Ala di minya bini minya bini ngame iyo iyo e penala mala ko ya bani iyo kala gara de mala ngame dagine na ga muti ma fula ka do mengira ah e wa fula ka do mengira anu ka kero fula mu do mengira lo kere ma fala alhamdulillah halike haliye karakam e mu ya gi manara e mu ga ku manara anu e mu waya shema gi e mu ya gi ma tadi ko bu waya she pa awen sa ko ma kana maya e fatara tan na kana e na e ganna afre ganna france ranna wal kamera ben ga den ya alfa ko na bre gele ngata tan di e bo gre developer dera bo mu developer ma wallahi e wayana kan pakatu e na anta mo se sera wallahi uleta e di me na mala ngeni na kitike yeri me na ma mi da ka e danya ka na kine ah ana ko e ne na probe ne ya ka me da di tan nu kere probe bara tan ka ma ten ne tan to ne fe benni nu ko ne mu di se fa ne benni na ki se Mais on a battu pour donner un coin. Il a énoncé le compari. Il n'a pas le même état. C'est le bel en garantie de la solidarité. Alpha Conde Carmona, c'est un garantie pour n'avoir pas de mot comparé. Il a un paquet de terre à la mort. Ah, Alabama, la Guinée, la main. Foulez-moi dans la main.
Je vais rappeler certains trucs en absence. Ma connexion
Projet de société, c'est l'Oda Nengialo. Activité principale, c'est l'Oda Nengialo. L'homme qui vous fait trembler, c'est l'Oda Nengialo. Celui qui vous fait peur, c'est l'Oda Nengialo. Celui qui gâche votre sommeil, c'est l'Oda Nengialo. Projet de société final, c'est l'Oda Nengialo. Ah! Au Fangayagi. Allô? Allô, ma sister. Oui, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Allô? Allô, allez-y. Ah, ça va, comment tu vas? Très bien, ah, Dieu merci. Mm-hmm. On vous écoute. Ah, vraiment, je t'encourage bien. Mm-hmm. Mais... Allô? Allô? Oui, Marie, bonjour. Ah, bonjour, comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va, merci. Ah. C'est Monsieur Soiré, bonjour. Oui, je vois, vous avez appelé deux fois déjà, une fois là, non? Non, c'est la première fois que j'interviens aujourd'hui. Ah, d'accord, la voix me dit quelque chose un peu. Oui, c'est Monsieur Soiré, donc de la France, de Nantes en fait. D'accord. Et on a échangé une ou deux fois. Voilà, j'étais très contente d'ailleurs par rapport à cette intervention-là. Mm-hmm. Donc, je me suis permis d'appeler cet après-midi. Mm-hmm. C'est par rapport à l'intervention, parce que je te suis assez souvent. Oui. À l'intervention de Terpégiste. Oui. Donc, il est venu essayer de comparer Cédoudan et Malvaconé. Voilà, pour comparer un premier ministre, comme tu l'as si bien dit, mm-hmm. un président de la République. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Mm-hmm. Et c'est incomparable. Oui. Ça c'est une première partie. Mm-hmm. Mais si on va un peu plus loin, même si on les compare mm-hmm. intellectuellement, là, il va comparer les deux, leur bilan. Oui. On essaie de comparer ça. Mm-hmm. Même si on les compare réellement, mm-hmm. en réalité, c'est le dernier à laisser de trace en Guinée. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a laissé pour nous en Guinée depuis qu'il est là, depuis 10 ans? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a laissé? À part la désolation, qu'est-ce qu'il a fait? Mm-hmm. Par contre, il a bien répondu en lui disant déjà notre richesse naturelle qui mm-hmm. est en train de s'exporter de mm-hmm. façon exponentielle, mm-hmm. hein, oui. en des millions de tonnes, mm-hmm. et déjà juste ça déjà, aurait suffi pour mettre ce pays-là sur les rails. Oui. Juste les recettes de la bouche. Oui. À plus forte raison, tout ce qu'il est en train d'exporter en Guinée, parce mm-hmm. qu'il y a des choses que nous connaissons, il y a des choses que nous ne connaissons pas. On ne connaît pas, non, on ne peut même pas savoir ça. Bon, voilà. Mm-hmm. Donc, du coup, des gens mal intentionnés comme ce monsieur-là oui. reviennent toujours avec ce débat-là. Mm-hmm. Hein? Pourquoi oui. Parce qu'ils n'ont plus de solution. Mm-hmm. Pour faire quoi? Diviser pour régner. Mm-hmm. Et diviser pour régner, parce que ça, c'est ça le terrain, en fait. Oui, oui. Venir ici faire des comparaisons mm-hmm. malsaines entre ces deux individus-là. Mm-hmm. Et voilà. Sinon, toutes les routes qu'ils ont goudronnées en Guinée, ils ont reconnu, tous les gouvernements successifs ont reconnu, tout le peuple sait oui. que c'est M. Sédoudalé qui a fait ça. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Comme tu dis, on avait tous l'espoir à M. Alpha Condé, même si nous ne l'aimions pas, oui. on n'aurait pas fou qu'il allait faire quelque chose. Oui. Mais sauf que qu'est-ce qu'il a fait? Opposer les Guinéens. Les opposer, ah ouais, et puis les emprisonner, oui. les assassiner. Oui. Hein? Mm-hmm. Pour l'instant, c'est ce qu'ils nous ont vendu. Oui. Alors, des gens malsains, qui viennent comme ça avec des idées malsaines, toujours pour polir ton débat, en fait. Là, c'est pour polir. Pour polir le débat. Je vais polir les restes ici, ils viennent. C'est ça. Pour encore essayer de diviser ceux qui n'ont pas encore compris. Mm-hmm. Parce que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est pas juste des Diallo et des Sow et des Bailly qui sont là à discuter avec toi, être d'accord avec toi. Mm-hmm. La Guinée commence à comprendre. Oui. J'espère, je prie Allah que ça continue. Amen, tu vois? Amen. Donc voilà, ça c'était le premier point qu'il avait énoncé. Il y avait, je crois, un deuxième point, c'est le bilan de M. Sédoudalé. Mm-hmm. Et puis il y avait un deuxième point qu'il avait soulevé, je suis en train d'oublier ce point-là, qui était aussi intéressant. C'est-à-dire, c'est de 80, de 58 à 84, ou de 84 à je ne sais pas quoi. Parce que souvent, moi, j'ai remarqué un truc aussi.
Je ne sais pas si vous qui me suivez, Monsieur Soiré, vous avez remarqué, ils sont toujours fait du genre à mettre tout ce que feu général Conté a fait, mettre cela à terre. Moi, j'ai cette impression-là. Très souvent, je ressens ça dans les commentaires et dans les interventions. Ils veulent faire comme si ce monsieur n'avait même pas existé. Ces gens-là sont très pervers et très vicieux. Donc, ils sont... C'est malheureux. C'est vraiment très malheureux. C'est très méchant. C'est juste partie de la campagne. C'est très méchant. De désintégration de la Guinée. On sait que... Les gens-là sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Ils sont payés. Depuis notre indépendance. Ils sont chèrement payés. Beaucoup d'argent a été débloqué. C'est le général Conté. Il n'a pas été parfait, mais le général Conté voulait travailler dans ce pays. Mais des intellectuels malhonnêtes, comme dit Tiano Monenebo, que l'Afrique, le problème des Africains, c'est les intellectuels. C'est ça. Oui. C'est eux qui lui ont trompé. C'était un monsieur qui voulait travailler, qui ne créait pas la division. À chaque fois qu'il voulait créer la division, lui, il rassemblait. Oui, il avait sa mission. Jusqu'au moment où il était fatigué, comme ce n'était pas un intellectuel, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait de lui. Oui. Le général Conté n'a pas détruit notre pays, il n'a pas donné notre richesse à vil prix. Vers sa fin, il y avait beaucoup de zizanie. Il y avait beaucoup de zizanie parce que bon, il ne décidait plus rien, il était fatigué. Oui. Malheureusement, comme il n'y avait pas des garde-fous à côté, bah, on sait, on sait que les casseurs du Fofana et autres, ils ont exprimé en ce moment. Ils ont pris beaucoup d'argent. Et ils ont oublié ça aussi. Les RPGs, vous avez oublié tout ça que Kassori a fait autant de Conté. Vous avez oublié ça. Mais il est là-bas. Non, ils ont oublié. Il est avec Alpha. C'est pas ou bien vous êtes devenu aveugle. Voilà, on ne peut pas comparer un président et un premier ministre. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas les comparer. Le premier ministre n'a pas les manettes. Chez nous, en Afrique, c'est le président qui a les manettes. Oui. À 100%. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, pour même pas rentrer dans ces gens qu'on nous appelle, ce qu'ils cherchent, c'est d'étendre le débat vers ça. Pour commencer à dire, épandre les fausses idées. Donc, il y avait un deuxième truc qu'il a soulevé, mais qui m'a échappé, qui était intéressant aussi, où nous devions, j'aurais voulu intervenir pour donner un peu quand même mes idées. Il faut noter. Si je m'en souviens, je te rappellerai. D'accord. Je ne vais pas garder la ligne très longtemps, quand il y a toujours des gens qui vont m'appeler. D'accord. Donc voilà, les gens qui viennent pour polir le débat, c'est très bien, il lui a bien répondu, il ne faut pas les garder. Parce que c'est ça qu'ils cherchent, le diviser. Alors que nous, il faut qu'on se rassemble. Oui. Tous les Guinéens sont des frères, il faut qu'ils se rassemblent. Oui, oui. Voilà. C'est tout. D'accord. Donc, je vais te laisser, Marie. Je sais qu'il y a des autres qui vont t'appeler. Et puis, si je m'en souviens de quoi je t'appellerai pour dire un mot dessus. D'accord, Inch'Allah. Merci. Et je te dis bon courage. Merci. Bien, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Allô? 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 Oui, il faut essayer de diminuer votre téléphone derrière, pardon. Pardon? Diminuer le téléphone derrière là-bas, on l'entend ici. Ah, ok, d'accord. Madame Mokia. Ah, voilà. À Mokia, parce que mon ami est occupé. Béfan, avant Cindy, on va y aller. T'as l'air fait, hein? Allô? Allô, oui, mon ami fait. Allô, oui. Mon ami fait. Ouais, Irée.
Non, mais... Ah. A singer like nga nga eh reneti nga initier matoma ndi nga direct matoma eh me a singer like nga nga reneti kono nga reneti rene to vraiment ngin wali sakti li awa in wali e courage na ban tongo ri courage na an nebe amuna na se bebe ina an na ba feki na boya muna na bebe Et voilà, comprends, parce que il était battu la canne, du walira, il n'a pas de il était battu la canne. Alors, quel est l'enconni, Jijabouma, l'enconni, la tangama, l'enconni, cantama, anarchie, canta, anira, dimbaya, anira, dimbaya, dimbaya. Et ils vont se dire, anahoura, tanga, anahou, canta, anahou, sutra. Amina, amina, anahou, agri. Voilà, mais. Et voilà, mais... Afin, il y a... Parce que vous n'avez pas de qui a rien maintenant dit à moi. Il y a un peu de Wallahi. Oule, Mirina, vous savez, oule, oule, n'a pas de qui a dit. Alamu, Mirina, ça va, oule, alamu... Wallahi, Comment on appelle? Alamu, alamu, sembe, ça va, oule, ma, a bele, bele, ma, ne, sembe, mou, lou, ma, na. Sembe, lou, ma, non, dit, na, mbe. Depuis 2010, on va la dégager, on va la dégager. Oui. On a là, à la fois où les sembe non dit par la sembe la milita, cours. Yo. La Guinée, on va continuer à la ma couleur, parce que à la langue, on y femme. À la dira barre, c'est ma, à la alpha conne d'or, on m'a fait ma. On t'a marqué à ta nakoro. Mais on m'a à tout folle parce qu'il y a Alpha Condé Moudon, 2010. Khali Miri, Rafael de Ron, 2010, Victoire, accordé les 2010 à Nardoro. Khali Seludan, Diamant ou bien Réma, Conti, Ata, la Guinée, Bibirim, la Rékérin, Kérin, 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 Kérin. On a un nom à Alpha Lamana, on a fait la Bamana, on a fait la Bamana, on a fait la Il va comprendre. Quand on a la femme et l'alpha, on a quoi on grappe en alpha par bereto. On va mettre un tout. A si il a un sacré 40 ans de litre, 50 ans de litre, à terre de, à bord de, même propre, à la si parent, voilà du tala, à vous de renom, ou moins n'y a qui se tombe, ou moins t'es qui se tombe, ou moins qui se tombe. Il va comprendre. Foule en arrêt. Il est temps que Bakti soude soune. Quand on est en Bakti, il est en Bakti. On a la machine ma bangé gantée, on a la machine de ma yana yi tang, c'est-à-dire derrière ta main. On a le temps de ma derrière ta main, on a le temps de ma bangé gantée, on a le temps de ma tête derrière ta main, parce qu'il y a la main. Il y a la main. En tant qu'on l'a ramené à la machine. Quel est-ce qui est mis plus? How on a de la reto nga kiri ni. Fonse, oh, sende, poison, poison la loma. Afo, tate, anyaku kon ima, ago. Amo yomma. Wule nou la gine biye tegi so fe ma. Wule nou la gine biye tegi so fe ma. Anakele a la gine biye kombi. Afo kon de barata la wombe, pese, kwen. Ana ni di mu fepe ko no ha wule ma mu fa ga bene be ala ko bokio ga so ma kine o tam be kine na kine ga di la ma ga di bi la ma kana am ka da ka be kine am ba
Voilà. Oui, quand la fille faut obtenir que les rames la cadembaya d'autres, mon fief est sur ma baoulé là. Oui. Hein? Mm-hmm. La guinée de la ma carte de l'histoire la cuit. A rafé tati, a raf colon, les rines en alpha condéra. Oh, alhamdulillah, il a pu à la mina. Toto, elle n'a guinée 100% de l'immune alpha condé dans Faramoto. Kono agbegbe fambara faamu agbegbe tan wombara kono alfa fa o malage sidene alfa vol sabe polenti ana xamna alfa furi lagnenu lagne die qafira ana nan tumu fere fi xama awama na ayati safe lagne di fere ha tawu fas ana nan muna fere fi xama kana mara a alfa wa ko ni naranu نحن نبغي كي جورم جد جورم الفادي الفام واما أمود أما بيخيره ما أنا نمونا سنبى في خامه واما سفه كيانا أنا نس أنا سنبى باش إيوه أشوا لا كمبرا أفنيرا خا سنبى خا 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 إلكشن مارا الفام هلا هلا لكن فو 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 أفيدان تو 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 مارا بيتا أوها والله دي أنا نمونا لكن ديرا amul la gina di ko ci dire xi a khalimuna ak be febuna wono dege ko wo mo dege wona no ko xora wo ye sotoxi wo te sotoxi to ayo na wo fari awama na ka ta ndera ka fari a hala gina am la ka ta bon di kuy a khara xini a ha so tamne nyama na bete me reira khana fere na daran na bama Je ne sais pas si tu es un homme. Et puis, je suis dit, je suis dit, mais du troisième mandat, Ben, Adam ki min kala fi ikana khana khamu ka o ala ya e mu ya gin ki la muhammad khamma sallallahu alaihi wa sallam taslima mule fala be kene ma popo so ila kono ya gita mule na tan ila mondo mondo ara ke ko ada ko po ya ma ta gi ah e mon fi waso da kana ka mu ya gina ra mu gahu ala ala khamma nara eh iya na ti mana kai na me mo de tan iya na na tan na ka ma ga be amat ala na ra ta kam ce ko bi am mu na na ba ma ko ala na am tan te birin te ya ba ana ta be na ba ma ne na birin na ba ma ne aw ye na na ki ne no u le tan ye ils sont capables de tout anya rimol pringa anya rimol pringa Amin. Comme il y a un bien à la balle à la mine à la
abba. Ah, Mais ici donc où Gallo nana, ici donc c'est Mariam Gallo. Les autres ethnies là, maintenant c'est Mariam Gallo. Ici c'est quoi Gallo? Ici c'est quoi Gallo? Voilà. Non, enfant, va. Non, Gallo, Gallo enfant. Gallo enfant. Ah? Gallo enfant, Gallo pas donc on fait parce que on n'a pas fait donc on est pouvoir. Gallo n'a pas fait donc on est. Voilà. Ici c'est quoi Gallo? Ah, on va linker mon qui m'attend. Ici c'est quoi Gallo? Ah, voilà, ça, merci beaucoup. Ah, même, merci. Patron, je vous remercie. Je vous remercie. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez. Mm. Maintenant, c'est Sissoko Diallo. Hein. Voilà. Pour les Peuls, je suis Sissoko pour les Peuls. Les autres ethnies, là, je suis Diallo. Si vous voulez vous suicider, allez-y. J'ai un viaduc juste à côté. Venez vous mettre là, vous tombez là-bas. Vous voulez la nationalité française. Mais les ethnies entre vous, impossible. Un camarade ne peut pas dire que moi je suis Diallo dorénavant. Un Diallo ne peut pas dire moi je suis Souma à partir d'aujourd'hui. Mais si on vous donne le nom Macron ici, vous allez prendre ça parce qu'il y a le passeport français derrière. Après, on est fier d'être Guinéen. N'importe quoi. N'importe quoi, l'eau alpha. On va appeler Fadiga. Il a appelé plusieurs fois. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Rabah Digo. Ça va, monsieur Fadiga? Quoi de neuf? Voilà. Ah,
Ousmane Gawad Cherif Ba ni ibenti womiri nyala ngi hmm ifay nara hmm parce que bon mais o manyala be onama na dio merci parce que Allah nan wadi ba pa konde ta marada na ba ngi parce que bo ta na ngi tampe era to eto mana mais ni tan kan analyse personnel na na ba ri hmm lui a pris dans ma rotation de mine raba oui votre vigilant hmm voilà parce que on mira pas combien de pour la rancune favori on mira pour mais notre stratégie n'a en tout cas après mon constat Amato Etienne Soropodi Ousmane Gawal Diallo Eric Ba Tidou Baldi Abdoulaye Ba les buts mais quand même là c'est présenté. Et puis, je suis dit que Bongola, il y a un beau gosse. Monsieur Rabat, à nous, c'est un certain Kéron Yaya Diallo. Il y a Kéron Yaya Diallo, il y a un beau tarif d'Amérique. Donc, c'est qu'on a l'image de la tête au moment où on a un petit panier. C'est que, deux images. Il y en a, ouais, il y en a, c'est le mot entouré de la peau à Hamiri, peau à Barigny. Ça, c'est un. Deuxième analyse, observation, c'est que Aoma a passé le nom Bourilou à mal. Ismaël Kondé n'a rien de mal. Mais n'est Alpha Colo. Non, à Colo. Qu'est-ce qu'il a négocié pour ce cadre? Mais ça, c'est pas la négociation de ce loup. Hein. Ça, c'est la communauté internationale. La communauté internationale est au courant de toutes ces personnes. Ismaël Kondé a été éduqué dans ce mensonge. Il sait comment ça fonctionne. Voilà, tous les Guinéens sont censés savoir comment ce type-là fonctionne. S'il y a des gens qui veulent se fâcher pour ça, mais libre à eux qu'ils se fâchent. Il a lui maintenant de maintenir la pression, Guy Victoire reconnu Feinara. Tant que celle où Guina reconnu, pressionne Nana. Parce que Mireo Alpha Wamarabafi, comme tout va bien, Iwama Kolonfe, Poana, celle où Rayu, il m'a dit Fekui. Mirende Ravido, ou les dames de la Balorande, Bantangami Lorande, Mounou Mirende Ralama. Nana information, Fide, Nana, celle où Bara Guy Victoire reconnu. Watoma, Mirene Ralimakamri. Parce qu'il s'allure, il s'allure. Ils tiennent à cela. Ils y tiennent énormément. Oui. Ils y tiennent énormément. C'est très important pour eux. Voilà. Non, jamais, je ne sais pas si je suis en train de me faire. Mais c'est une stratégie. Alpha 4 est un point. Parce que Miriam Moda est venue à la maison. Parce que nous avons fait un contrôle. Parce que nous avons fait un contrôle.
ntam na fa la ba me xey be leer bi ni fo nga fekere nang comprendre wonna na kam bi ki abira kay ni se fe abira kay gi resultat nang ka fe maintenant ka alfa konde wama aga selu tongo aga sugay bulumbo la ka bantu aga do makiti ben ben baye do ka set me wo mbiri nga wo mal wo nga do tant que selu ma fa la wi na problème nan alfa ta ma ala selu ma fa la ma selu ma fa la ma wi awona maintenant problème na den nakay ala won na kam fa la ma régulièrement il y a plusieurs groupes ça les arrange. Cette situation les arrange pour affaiblir celle-là. Parce que dans leur tête, Alpha va mourir demain ou après-demain. Comme si c'est eux qui avaient cette fiche-là. Maintenant, ouais. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. La dernière vidéo, je l'ai dit. Je le dis régulièrement. Tout ce qui se passe, il y a des surprises de part et d'autre que personne n'a calculé et que personne n'a imaginé. Tout le monde. Donc, ce qui va se passer demain, ni toi, ni moi, ni même Alpha. Le problème que Alpha a aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire, que j'allais vous dire. On le lui a dit, les gens là, tous leurs problèmes, c'est les karamoko, les marabouts et les ci et les ça. C'est pourquoi ils disent que moi je joue au kori, parce que pour eux, je les vois dans les kori. Non. Voilà. Maintenant, ils ont dit à Alpha ces jours-ci là, ça ne fait même pas une semaine. Que quoi qu'il arrive, c'est ce qu'ils lui ont dit, que quoi qu'il arrive, il ne va pas mourir au pouvoir. Écoutez ce que je dis, que Alpha ne va pas mourir au pouvoir. Ce sont ces gens-là qui lui ont dit cela. Que maintenant, Alpha doit savoir une chose, qu'il y a quelqu'un qui donne la force à celui. Mais ce n'est pas ceux qui sont en prison. Je vous parle du côté spirituel. Parce que ça, c'est très important pour eux. Que les gens-là qui sont en prison, là, que ce n'est pas ceux qui donnent la force à celui. Hein. Parce que si c'est ceux qui donnaient la force à celui, mais l'affaire-là était finie. Maintenant, pourquoi chaque fois quand ils pensent que quand je fais, si ça va marcher, ça ne marche pas? Pourquoi? Mais ça ne marche pas. Comment lui l'a imaginé? Ça ne se passe pas comme ça. Le seul truc, les deux choses qu'il a imaginé, l'UFDG s'est surpassé. J'ai expliqué ça au début. La deuxième chose, c'est une partie de la population, même sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous, s'il y avait entre 5 et 10 personnes qui faisaient exactement comme moi, qui ne sont pas peuls, qui ne sont pas de l'UFDG, qui ne sont d'aucun parti politique de surcroît qui avait soutenu cette histoire de constitution. Mais on serait déjà loin aujourd'hui. Oui, les gens le font, moi, personnellement, à moi, je le sais, pour que j'arrête de parler de cela, parce que ça va me fatiguer. Parce que dans la tête de certaines personnes, il faut du monde pour une cause. Mais moi, je suis sûre de ce que je fais par la grâce d'Allah. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me soutenir pour ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur cette page. On n'est pas forcément sur la même lancée. Hein? C'est-à-dire qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre et donner ce qu'il y a à donner. Ça n'a rien à voir. Nous sommes des Guinéens, nous sommes des êtres humains. On va s'apporter ce qu'on peut s'apporter. Eux, ils ne sont pas pour cette réclamation de victoire. Moi, je suis pour. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste ce point-là. Le Guinéen se dit que, comme lui, il est là, comment lui, il va réagir? Tu vas réagir pareil. C'est pourquoi plusieurs personnes n'en parlent pas. Parce qu'il faut que d'autres personnes les partagent. Parce qu'il faut que certaines personnes donnent leur avis dans ce combat. Parce qu'il faut que certaines personnes s'associent à eux. Comme si les réseaux sociaux appartenaient à ces gens-là. Non, les réseaux sociaux ne leur appartiennent pas. Ils vont mener leur combat. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Demain, je ferai autre chose. Après demain, quelqu'un d'autre viendra dire autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Personne n'a ce monopole. Alpha a déboursé énormément d'argent. Les gens qui passent tout leur temps à écrire. Les gens qui passent tout leur temps à faire des vidéos. Moi, ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Ils ont sûrement peut-être plus de visibilité, j'en sais rien. Mais moi, les gens auxquels je m'adresse me regardent. C'est le plus important pour moi. Tu peux avoir bien mon birago, akrikanyaru. Pourquoi avoir beaucoup de vues? Et ça n'a même pas d'effet. Moi, je suis sur un truc du long terme. Ça, c'est un truc de long terme, ça. C'est ça. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quelqu'un qui se projette, moi, je me projette dans 5 ans, je me projette dans 10 ans, dans 20 ans, quelqu'un qui est là qui veut manger derrière Alpha, qu'est-ce qu'on va se dire? Mais on n'a rien à se dire. C'est-à-dire, moi, on a craqué les nains. C'est ce que les gens ils ne comprennent pas. Donc, c'est ce côté-là, c'est sur ce côté-là que Alpha, lui, il joue. C'est-à-dire, il s'adapte à la limite mentale du Guinéen.
C'est tout. Il se dit, le Guinéen, son cap, c'est jusque-là. Le Guinéen ne peut pas dépasser son cap. Vous voyez, au début, vous allez me faire répéter. Au début, c'est ce que je vous dis. Juste après les résultats et tous ces trucs, moi, j'ai commencé à aller dans ce sens. Cela a surpris beaucoup de personnes. Je leur ai dit oui, parce que en Guinée, dès après les élections, c'est la réconciliation sur une fausse base. Moi, je n'irai pas sur ça. Ça, c'est moi. Et j'ai continué. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me décourager. Parce que dès qu'ils finissent de parler, je fais mon direct. Ils se sont fatigués. Certains m'ont rejoint aujourd'hui. D'autres sont dépassés, d'autres pas. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est une vérité, c'est possible, mais on n'est pas dans ce sens. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élection en cours. Il n'y a pas d'élection en cours. Et toutes les autres ethnies, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde, toutes les autres ethnies sont en train de se positionner. Toutes les autres entrent. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais il n'y a pas d'élection. C'est fini. Là où on est là, par exemple, moi, ma démarche, excuse-moi, moi, ma démarche, c'est quoi? C'est par exemple, redorer, rendre ce Loudal propre, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Voilà. Oui. Faire en sorte que la vérité soit là, que certaines personnes voient la vérité. Certaines vérités, c'est tout. Maintenant, que telle ethnie soit avec celle-là, que telle ethnie soit contre celle-là, que telle... Mais ces ethnies-là même se cherchent. Ils sont en train de se chercher. Quand on parle ethniquement, vu que la politique est ethnique, vu que les votes sont ethniques et les partis politiques sont ethniques, mais le peuple a une position de force, c'est ça la vérité. Et il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il y a des ethnies qui n'ont même pas de représentants politiques. Ceux-là vont se dire qu'ils vont bloquer ces lots. Mais quel poids politique tu as pour le bloquer? Tu n'as aucun poids. Toi-même, tu te cherches. Donc, Alpha peut monter ces trucs ethniques. Il faut qu'il fasse cela par orgueil. Et pour montrer qu'il n'a aucune pression, libérer les gens par compte-goutte. Libérer les gens par compte-goutte, par technique, par-ci, par-là, parce qu'il se positionne à la limite de la vision du Guinéen de base. C'est tout. Mais on n'est plus à ce point-là. On n'a pas besoin de ce Guinéen de base. Maintenant, ceux qui sont là à attendre qu'il y aura une révolte populaire, les gens vont sortir. C'est pourquoi il maintient Fodi Kemenge. Non seulement il a été condamné pour 3 ans, pour dire que, ok, mec, tu as le temps de réfléchir. Et s'il y a révolte populaire, c'est quelqu'un qui est très populaire. Si lui, il se rajoute à l'UFDG, ça fait un gros poids ethnique. L'ANAR, ça fait des poids. Ça peut le fatiguer. Lui, c'est comme ça qu'il l'analyse. Mais ce n'est pas obligatoire que ce soit dans ce sens. Mais c'est pour toi, je te dis... Pour l'instant, tout ce qu'il a prévu, ça ne s'est pas passé comme ça. Alpha Condé, excuse-moi, depuis 2010, Alpha, ta stratégie est connue. C'est que Dana, sinon, Mongola, M. Rabat là, ça fait combien de temps de M. Naïf? Depuis, ça fait combien de temps de M. Naïf parle? Il a beaucoup parlé, hein? Il veut que les forestiers se calment. Tu sais, il y a deux zones en Guinée, la Haute Guinée et la Basse Guinée, qui se prennent pour les rois de ce pays-là. Et ce sont, si on parle ethniquement, ce sont ces deux ethnies-là qui ont détruit ce pays. Eux, ils pensent qu'ils sont des super. Mais vous n'avez rien foutu au pouvoir. Ces deux ethnies n'ont rien foutu. Vous n'avez même pas été capable de donner de l'eau et de l'électricité. Maintenant, non. Wallahi, moi, les prochaines élections, quelles que soient ces élections-là, un Soussou et un Malinké, vous êtes mal barrés. Ma priorité, ça sera un peuple. Je ne le cache même pas. Je soutiendrai quel que soit le peuple, je vais le soutenir. Oui, juste pour vous énerver. Juste pour vous montrer que vous n'êtes rien politiquement. Rien, zéro. Vous avez tout fait pour affaiblir cette ethnie-là. Ils se sont positionnés, ils se sont imposés. Ethniquement, maintenant politiquement, ils se sont imposés. Pendant que vous passez le temps à les affaiblir, eux sont en train... C'est-à-dire, Alpha a grandi ce parti sans même se rendre compte. Je te reviens après, parce que là, je dois parler avec toi. Ok. Je te reviens après. Ok, à tout à l'heure, Inch'Allah. Vous passez tout votre temps derrière quelqu'un. Lui, il court pour avancer. Vous courez après lui. Il a fait de celui d'aller un grand homme politique aujourd'hui, au niveau international et tout. Et ça, c'est historique. Que quelqu'un s'oppose à des résultats et qu'il tienne bon. Prison, chantage, quoi que ce soit, il dit net, non, je refuse. Ça, c'est incroyable. Oui!
Lui, ça, il l'a fait. Il est en train de le faire. Il faut le reconnaître. Il faut être peu pour faire cela. C'est pourquoi je les aime. Oui, parce que c'est des gens... Non, qu'est-ce qu'on n'a pas fait à ces gens-là? Même quand ils ne font pas de pain, vous ne mangez pas. J'ai déjà entendu des gens dire, s'ils refusent de faire du pain, on va acheter les boulangeries modernes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas appris à faire le pain? Hein? Toutes ces années-là, vous n'avez pas appris à faire le pain? Même quand tu vas dans les classes, aujourd'hui, c'est les jeunes petits peuples-là qui étudient, qui écrivent un peu avec moins de fautes, moins un peu même. Tout le reste-là. Même la communication, les gens qui font des publications. Mais les RPJ sont des publications tellement bidons. Les jeunes-là qu'ils ont payés. Mais payés de bon à rien, sans arrêt, non-stop. Ils ne sont même pas fichus d'afficher leur propre photo. Ils sont tous en train d'insulter. Tout leur souci, c'est celle où d'aller. Pourquoi? Celle où est déjà sale. Vous voulez le salir pourquoi? Hein? Puisqu'il est déjà sale. Il a détourné. Il est investisseur au Sénégal. Nous allons venir sur cette histoire d'investissement au Sénégal. Là. Meilleur investisseur au Sénégal. Nous allons venir sur ça, Inch'Allah. Parce que j'ai déjà mis la vidéo là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous mentez trop. La politique, ce n'est pas le mensonge. Mais comme Alpha s'impose en mentant, on vous a éduqué dans ce sens qu'il faut mentir pour que les gens soient avec vous. Mais l'affaire là, c'est en train de tirer. Ou bien, vous n'avez pas pensé que ça allait aller dans ce sens. Donc, il faut continuer. Alpha n'a pas gagné ses élections et il faut réclamer cette victoire à l'étranger. On nous a privé de vote. On va te sanctionner. On va te sanctionner dans les rues du monde, Inch'Allah. Ceux qui sortent en Guinée là-bas, ceux que tu veux faire, il faut faire d'eux. C'est nous qui faisons vivre ce pays-là. Il n'y a pas d'école. Il n'y a que des écoles privées. C'est nous qui payons les écoles des enfants là. Manger, c'est nous qui payons la dépense. Les voitures, c'est nous qui les envoyons à nos familles. Oui. Si tu n'as pas d'enfant ici, tu ne peux pas vivre correctement. Tu peux même pas manger. Donc, on a un poids. La diaspora a un poids. Un gros poids que nous allons utiliser contre toi, Inch'Allah. Parce que tu nous as salis. Déjà, tu es diaspora. Demain, quand nous, on va venir se pointer, personne ne va nous écouter. Surtout ceux de la France. Ah, ça, c'est les gens comme Alpha. Tu es resté dans l'histoire. Très, très, très mauvais côté. Tu as une petite chance encore pour te rattraper. Si tu veux. Si tu ne veux pas, comme tu es un cafre. Cafre, kulma, kwa, l'inclinira. Alpha. Il y a un troisième mandé. Il y a quelqu'un qui a appelé plusieurs fois. J'essaie de l'appeler. Après, on va en rester là. Les bonnes arrières. Il faut prendre des faux comptes. Alpha fait dans moi. Halati. Vous et l'UFDG. Ça, c'est autre chose. Hein? Nous aussi, là, c'est autre chose. Je vous tiens à l'œil. Inch'Allah. Ce monsieur-là a beaucoup écrit. Je veux qu'il lui-même il explique ce qu'il veut expliquer là parce que c'est trop long à lire. Moi je vais vous laisser à bientôt Inch'Allah, merci pour les partages et les commentaires. Voilà, alors on va tu es tagan. Faut que l'UFDG garde le cap, ce que Fadiga aussi vient de dire. Oui, c'est pas faux. Mais moi, je pense que ce côté ethnique, les gens peuvent penser ce qu'ils ont envie de penser. On n'a pas besoin de leur électorat. Hein. Ce n'est pas les élections. Donc, si quelqu'un veut faire de l'ethnostratégie, il faut attendre les prochaines élections. On va d'abord finir de rendre ces élections-là propres. Monsieur a peur. Parce que ces marabouts lui ont dit, je vais revenir dessus. Ces marabouts lui ont dit qu'il ne va pas mourir au pouvoir, qu'il y a des gens qui sont en train de tout faire pour ne pas qu'il meure au pouvoir, qu'il y a des gens qui sont en train d'aider Dalin dans l'ombre. Oui, et ce n'est pas ceux qui sont en prison là, ce n'est pas ceux-là. Voilà, donc ça, eux, ils tiennent compte de ces choses-là, c'est très important. Donc pourquoi? Et la preuve est là, les gars, ils étaient en prison, ils étaient tous en prison, qu'est-ce que ça a changé? Excusez-moi, ce n'est pas méchant, mais bon. En tout cas, c'était pour que l'Allah reconnaisse sa force de victoire, il ne l'a pas reconnu. Donc à quoi bon? Il les a
Sali, voulu les salir, maintenant c'est lui qui est sale. Tu veux mettre les gens à terre, toi tu te retrouves à terre. Quelle honte, la honte. Et les gens qui parlent, vous pensez que ceux-là allaient mourir là-bas. Si ceux-là meurent là-bas, c'est pas bon pour Alpha. C'est pas pour Dalin que c'est pas bon. C'est pour Alpha que ce n'est pas bon. Allô? Oui, Marie. Oui. Bonsoir, c'est toujours Monsieur Soiré. Ah, Monsieur Soiré, comment ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah. En fait, le deuxième volet dont je voulais intervenir, je me suis souvenu, c'était sur la libération de prisonniers. Oui. Tu vois, sur la libération de prisonniers aussi, on commence à dire que c'est le Dalin à négocier qui est pour les deux, c'est rentrer la sortie de l'autre côté, c'est ceci et c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Là aussi, c'est la technique de diviser pour régner. C'est lourd à négocier toujours pour tous les prisonniers, aussi pour les discours de Tello Dalin. Même depuis de samedi dernier, il a parlé de tous les prisonniers politiques. Oui. Et je pense que tous les prisonniers politiques ne sont pas seuls. Ils sont, c'est que des Guinéens, il y a des Malinké, il y a des Soussou, il y a des policiers, il y a des gens, des jeunes gens de tout bord. Donc, tu vois, c'est des gens, là aussi, c'était pour polluer ton débat, quand ils viennent s'aimer des choses comme ça. Ah, ils ne peuvent pas, Alpha est pollué, Alpha est un polluant. Mon nom est Wontan Noma, Nakola lui est au pharma. C'est ça. Et quand ils viennent, il faut faire attention, les éviter, parce que c'est des gens qui viennent là, et en fait, ils ont envie de mettre ça dans ce que nous disons. Mais c'est très bien. Ta ligne de conduite, pour l'instant, tout ce que tu fais, franchement, c'est irréprochable. C'est très bien. Il n'y a rien à dire. Tu es même inspiré. Et ça, ah oui, bien. Quand Dieu te dit, c'est ça. Merci, mon frère. Comme tu dis, M. Alpha Condé, peut-être il a encore une petite porte de sortie. Oui, oui. Hein? Rendre la victoire à celui qui l'a eu. Simplement. Nous, on ne lui demande rien. Il n'a qu'à faire ça et laisser les Guinéens tranquilles. C'est tout. Oui. Tu n'as pas gagné, tu rends la victoire. Alpha Condé a raté le côté Mandela. Tu peux faire mieux que Mandela. Rendre cette victoire, c'est faire mieux que Mandela. Parce que c'est toi le problème actuellement. Tu nous as trouvé avec nos problèmes, tu as rajouté ta part. Et le problème est que ceux qui sont autour de toi là ne t'aiment pas, tu le sais. On va mettre la main sur eux. Ceux qui sont autour de toi. Toi, tu auras ton immunité. Alpha, tu auras ton immunité. Moi-même, je serai avec toi. Tu seras l'un des plus grands. C'est exactement ça. S'il faisait ça aujourd'hui, il allait éviter à la Guinée des problèmes, des gros problèmes qui vont arriver. Parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes. Qui sont là, qui veulent. Beaucoup de groupes. Les gens ne pensent même pas à ça. Ces inconscients et ces irresponsables ne pensent même pas à ça. Une guerre civile. Une guerre civile. Parce qu'on vous donne des miettes. Vous passez toute la journée à écrire et à parler ici. Alpha va partir, donc, Inch'Allah. Donc, voilà. On concorde, mais faut Alpha, c'est qu'à la tine. Y'a que le naf, elle a fait le troisième mandat. Je suis pour la constitution, j'attends le troisième mandat. Les gens n'ont pas compris. Comme c'est des menteurs, ils pensaient que je mentais. Alors, ceux qui soutiennent Alpha, je vous attends. Ça, c'est pas du FDG qui parle de ça, c'est moi. c'est ça, ma soeur. Mon frère, fais pas de nanaki. Soussou aussi qui ont intervenu ces derniers jours, il y en a qui interviennent pas mal. Et franchement, même si elles s'expriment en langue nationale, elles sont inspirées. Oui, très très. Et c'est très bien. Donc, la Guinée est une famille. Nous devons sauver cette famille. Nous devons sauver cette famille, c'est tout. Et il n'y a pas mille solutions, c'est de nous entendre. S'il y a un Guinéen qui s'en sort, si c'est un Guinéen, mais c'est bien, il va garder ça où? Il va construire quoi? Où? Quel pays? En tout cas. Quand les commerçants guinéens ont commencé à gagner l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu beaucoup de liquidités dans les banques en Guinée. Oui. Ils ont commencé à créer des centres commerciaux. Oui. Des gros centres commerciaux comme Madina, comme avant, c'était, je ne sais pas si à Guéguédou et autres. Des choses pareilles comme ça. Oui. Mais dans ces centres commerciaux et autres, et où les magasins lambda. Mais qui vient profiter? C'est nous autres, les autres Guinéens. Les pauvres Guinéens, ils viennent là, dans la journée, soit ils empruntent quelque chose, ils vont revendre, ou ils trouvent leur quotidien dans ça. Bon, mais si on dit que non, c'est lui qui crée de la richesse, nous ne voulons pas de lui. Mais il y aura un étranger, un Libanais, ou bien un Syrien, ou un...
un maghrébin, je sais pas quoi, même si c'est des Africains, mais bon, voilà. Je sais pas qui, n'importe qui viendra, un Français, ils viendront créer les richesses et les rapatrier totalement. Chez eux, oui. Et il ne restera rien pour la Guinée. Rien. Ah. Et nous sommes dans ça aujourd'hui. Oui, effectivement. Parce que il n'y a rien qui reste pour la Guinée. Oui. C'est la désolation. Oui. Donc, il n'y a pas mieux. Ils n'ont même pas. Il faut que les Guinéens, comme s'ils ne voyagent pas, ces gens-là, oublient l'histoire d'ethnie. L'intérêt général, si on n'a pas l'intérêt général qui fonctionne, personne ne peut avoir un intérêt personnel. Oui. Personne ne l'aura. Donc, c'est ça. Et je te remercie encore, ma soeur, et puis de m'avoir donné la parole. Et puis, en plus de ça, je dis bonsoir à tout le monde, à tous les Guinéens de tout bord, même les RPGistes, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont Guinéens. C'est tout. Je dis bonsoir à tous les Guinéens. Il faut que notre pays, qu'on mette notre pays sur les rails. Ça, c'est mon dernier mot. Et ça, c'est très important. Ah. Et ça ne passera que par la vérité. Mais c'est, la vérité, c'est leur ADN. Le mensonge est leur ADN. Donc, la vérité, là, ils n'aiment pas ça. Leur ADN. La vérité, c'est le sel, venez pour eux. Et ça, c'est interdit. Ils disent la vérité, ils vont mourir. La vérité, ça, c'est interdit. Malheureusement. Et il y a aussi le monsieur là, le docteur là, qui a l'habitude de nous donner de bonnes nouvelles. Je profite pour lui dire bonjour. Comment il s'appelle déjà? Fakoli. Docteur Fakoli, je profite pour lui dire bonjour. Et puis, lui dire que ça fait un moment et que nous avons envie qu'il revienne. Je vous donne c'est le temps, c'est le temps. Moi-même déjà, mon temps, c'est pas facile. Ça cultive le Guinéen. Ça lui montre à quelle sauce il est en train de se faire manger. Donc, merci Marie encore et bonne merci, soirée. Merci, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Oui. Au revoir, à bientôt, Inch'Allah. Ah ouais, fatigue, ne te fatigue pas avec les gens là. Les gens là sont payés. Toi, tu écris parce que tu aimes ça. Tu veux aider ton pays. Eux, ils sont payés pour ça. C'est un nouveau métier. Plein. Il a été déboursé énormément d'argent pour les gens qui écrivent et qui font des vidéos là. Énormément d'argent. Vous pouvez le faire gratuitement. Hein? Parce que nous aussi, quand le régime là va passer, ça c'est pas l'UFDG, ça c'est moi. Moi aussi, je suis là, j'ai vos captures d'écran. Moi aussi, je vous guette. Je vous guette. Nous aussi, nous avons notre petit truc en coulisses là-bas. Pour ceux qui sont en train de polluer les réseaux sociaux. Les étouffeurs de mensonges là. Qui ne se fatiguent pas. Les nés pour mentir. Les moribonds là. Les bons à rien. Les bons à rien comme Alpha, le délinquant politique. Un délinquant politique. Et maintenant, montre délinquant. Délinquant, il y a un monde là-bas. Eh, Fadiga. Fadiga. Oui. Vous êtes en train de vous attendre là-bas. Vous serez déçus. C'est là que les gens vont dire que la dame là, elle est mauvaise. Parce que je ne vais pas tolérer les gens là. Moi, Même un chat ne sortit. Un chat va sortir pourquoi faire?
Même le chat a perdu du fusil. Même le chat même a perdu du fusil. Voilà. Hein? Maintenant, aujourd'hui, tu les libères pourquoi? Les chats sont sortis ou bien les chiens sont sortis? C'est toi-même qui les a libérés. Voilà. Hein? Voilà. Il y a un acteur, il y a un bandit chef. Abidou, Arol Bila Kiri. Abode, Abidou Febe. C'est la patience. Donc, leur libération, ça c'est à Kakoumé, ils cherchent un prétexte, un argument, en disant que ouais, c'est la justice. Mais ça fait longtemps, ça fait combien de temps les gens là sont malades? Ça fait combien de temps? Parce que maintenant, vivre mais combien de personnes même sont tombées malades là-bas, pas de ceux-là? Combien? Voilà, plusieurs fois, voilà. Plusieurs fois. Même Fonike Menge, Fonike Menge est souvent tombé malade. Alpha Condé, Alpha Condé est au dos au mieux. Il est au dos au mieux maintenant. Donc il ne sait pas quoi faire. Là où nous son dos est au mieux, là, là, t'as mieux de la farine. À quel moment on meurt malade? D'accord, ils sont donc les gens là, mais bon. Parce qu'il a vu que les gens, ouais, ces gens-là, ils ne demandent pas pardon. Ils ne m'ont pas demandé pardon. Donc, là, il n'a rien à dire. Donc, maintenant, il faut qu'il libère les gens-là. Et bon, voilà, on va faire comme ça. Et puis, c'est provisoirement, on est à liberté conditionnelle. Après, maintenant, est-ce que les gens-là, ils vont se retourner là-bas? Non! Même s'ils se retournent là-bas. Même s'il retourne. Et en retournant même, il retourne avec d'autres. Il n'a pas d'argument. Voilà. Il est pointé, il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Voilà. Voilà, et puis c'est quelqu'un. Et puis, c'est pour ça que je dis souvent, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a un caractère faible. Il est. Mais c'est un peu. C'est un petit monsieur. Voilà, et puis, bon, et maintenant, maman Tila, c'est pareil, hein. Elle dit, maman Tila, c'est un vrai bandard. C'est quelqu'un qui aime trop de l'autre, là. L'autre, maman Tila, c'est moi qui ai fait. Vous savez ce qu'il a dit? Ce qu'il vient de dire, maman Tila? Non. Non, c'est lui qui a négocié, c'est lui qui a initié la libération de Ousmane Diawara et tous les prisonniers, là. Mais il ne faut pas qu'il oublie son frère, hein. Oui, il a oublié son frère là-bas. Non, je fais le mal. Ah lui, donc Maman Silla, Fadiga, il a raison, c'est ethnique. Maman Silla n'a qu'à faire libérer les peuls. Après, celle-là va faire libérer les autres qui ne sont pas peuls. Car on va faire comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est l'ethno-stratégie. Ça aussi, c'est pas mal. Tous ces gens-là, c'est les anciens de Conté. Mais vous ne parlez pas de ça. Quelqu'un qui n'a pas de. Il n'a pas pu négocier son budget ou libérer la libération de son frère. Ça comme a été de sortir et de nous dire que bon, c'est moi qui. C'est un vantard. Donc c'est des gens, c'est des petits messieurs quoi. Ouais. C'est des petits messieurs. Voilà, maman qui l'a lui aime trop ce banquier. Il parle faux. Hein? Non, il parle faux. Maman qui l'a parle faux. Donc on cherche. C'est parce qu'on le provoque quand le provoque, il parle. Il dit quelque chose. Voilà, c'est un temple affairiste. Il n'a pas sa place. Sa place dans la politique. Ah bon? Il doit s'occuper de ses affaires, bon, de la politique. C'est ça le malheur de la Guinée. Parce que les gens pensent que quand ils parlent, certains disent que, ah, mais les autres, là, ils sont. Mais pour faire la politique, il faut avoir minimum de connaissances. Voilà, Maman Silla n'a pas dans cette catégorie-là. Il n'a pas dans cette catégorie-là. Il n'a qu'à laisser la politique à Fonike Menge. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ceux qui font la politique chez nous, c'est que ce ne sont pas des gens qui méritent de faire la politique. C'est ça qui nous fatigue chez nous. Comme les Alpha Condé, il y a un faux gars comme ça. Là. Tellement les Guinéens étaient désespérés. On va ramasser quelqu'un. Voilà. Qui ne connaît pas la Guinée, qui n'a jamais servi en Guinée, qu'on veut éviter les voleurs. On évite les soi-disant voleurs. Lui, il vient encore, il ramasse les mêmes voleurs. Vous voyez ça tous les jours. Vous soutenez ça. Oui, parce que. Voilà, mais ça fait vraiment. Depuis 10 ans. Vous croyez que nous, on boit avec quoi? La peau. Avec notre nez ou nos oreilles? Depuis 2010, la première préoccupation des Guinéens, maintenant, c'est la politique.
on ne peut que parler de la politique. Tout est politique. Oui, mais tout passe par là. Voilà. Mais ça, c'est grave. Tout passe par là, oui. C'est grave pour nous. Parce que ça ne va pas. Tout est politisé chez nous. Tout est politisé. Quand on a des gros menteurs comme Alpha, qui ment, qui a mis dans la tête des gens qu'il faut mentir en politique. Mais mon frère, il faut que certaines personnes viennent montrer que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le mensonge. Alpha, c'est un faux politicien, c'est un menteur, c'est une fabrication honteuse, c'est un raté, c'est un politicien raté, un politicien délinquant. Ceux qui sont fâchés que moi j'ai dit que Alpha Condé, c'est un politicien, un délinquant politique. Alpha Condé, délinquant politique en illimité. Parce que quand j'ai dit mille fois, c'est petit. Non. Alpha Condé, c'est un délinquant politique en illimité, un raté politique. C'est un raté de la politique, complètement raté. Un tocard. C'est ce qu'il est. Il est sale. Ses ongles-là sont sales. Ses doigts-là. Ah, Alpha, ou Alpha, ben, bébé, toi, bin, une fois, rock. Alors, produit ça. Là, la femme produit ses manèques. Et puis, ses cheveux-là tombent. Je ne sais pas si. Il a une insuffisance de quelque chose. Si c'est le cœur ou si c'est quoi, je ne sais pas. Il est très, très malade. Tous ses lèvres-là sont gonflées. Sans compter qu'il est ivrogne. Il boit sans arrêt. Vous méritez ça. Vous voyez pas, vous savez pas que la Guinée mérite mieux que ça. La Guinée mérite mieux que ça, mes frères et sœurs. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait rêver. C'est un vendeur d'illusions. C'est tombé, c'est fini. Pas de gamin, n'a rien dit. Mais si nous, les Guinéens, nous laissons faire de certaines choses, voilà. Bah, ils vont nous faire ce qu'ils veulent, non? Ça va pas marcher, Inch'Allah. Voilà, parce que là, la Guinée aime souvent la subjectivité. On ne fait que. L'essentiel est là. Les gens, au lieu de parler de l'essentiel, voilà, on s'approche des subtilités, des choses qui n'ont pas d'avantage pour nous. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est des choses, la Guinée, que, voilà, comme maintenant, alhamdoulilah, les gens commencent à comprendre les choses. Mm-hmm. Voilà, alhamdoulilah, c'est positif. Mm-hmm. Donc, moi, je ne fais que vous encourager et mm-hmm. continuer, voilà, sur le même chemin. Mm-hmm. Voilà. C'est ça que, ouais, le chemin sera long, hein, mais on ira jusqu'au bout. Mm-hmm. Voilà. Moi, j'aime les longs chemins. Voilà. Tout a été très difficile pour moi. Ouais. Tout ce qui a été facile pour les autres, ça a été difficile pour moi. Voilà. J'ai une grande âme. Inch'Allah. Mashallah, par la grâce d'Allah, j'ai une belle âme et une grandeur d'âme. Donc, je ne peux pas me fatiguer, puis c'est gratuit. Okay. Merci beaucoup, Fadiga. À bientôt, Inch'Allah. Et puis, c'est gratuit. Le gratuit ne se fatigue pas. Elle est bonne à rien. Prenez votre argent. Mais moi aussi, je suis en train de guetter l'UFDG. Demain. Et je guette l'UFDG. Quand l'UFDG va vouloir récupérer les bonnes à rien, j'attends là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va, Dieu merci. J'aimerais intervenir en 5 secondes. 5 secondes, c'est court. De... Ah ouais. 5 secondes, c'est une façon de dire 5 secondes. Voilà, ah ouais, oui, c'est vite. Vrai. D'accord, pardon, allez-y. Allez-y. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Guinée. Dieu merci. Et je salue en passant tous vos éditeurs, tous vos millions d'abonnés. En fait, moi, mon analyse sur tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qu'il faut bien retenir. La politique d'Alpha Condé a fait que les Guinéens, à un moment donné, après une année, deux ans, cinq ans, Alpha Condé, la politique d'Alpha Condé a réveillé la conscience de tous les Guinéens. Oui, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose. Oui. Il a fallu qu'Alpha Condé soit là pour que des millions de Guinéens comprennent c'est quoi la politique. Vous voyez aujourd'hui, tous les Guinéens s'intéressent c'est vrai. À rien d'autre que ce n'est que la politique. C'est vrai, et ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai. Mais en arrière, personne ne s'intéresse à la politique. Les gens, ils étaient là. Ce que le
gouvernement disait, les gens partaient sur ça, et le reste, on ne cherchait pas à savoir si c'était bien pour la population ou pas. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, madame, je vais vous dire une chose. Retenez bien ça, que la politique qui a mené à Trafondé durant ces 10 dernières années, ça a permis à nous, Guinéens, de comprendre c'est quoi la politique. Et la vraie, et la vraie. Oui, oui. Oui. Les gens, certaines personnes viennent sur votre page, ils ne font rien, ils n'ont pas d'argument. Oui. Leur seul argument, c'est vous insulter, vous manquer du respect. Oui. Le président démocratiquement élu, il a été mis dans les galops. Et ça, déjà, ce sont les insultes que les gens adressent envers sa personne, qui croient que c'est pour le humilier. Non. Ils ne font que augmenter sa personnalité. Oui, oui. Oui. Aujourd'hui, on a besoin, les Guinéens ont besoin de changement. Oui. Et le seul changement qu'on peut avoir, l'alternative, il n'y a pas d'autre alternative. Pour l'instant, si pour l'instant, il n'y a que ça. Vous voulez, les Guinéens, moi je vous dis, on veut combattre la dictature. On ne peut jamais combattre ce clan mafieux sans se rallier derrière et là, c'est tout dans les dialogues. Pas pour sa personne. On peut ne pas aimer la personne de et là, c'est tout dans les dialogues. Mais on doit aimer la politique que cette personne met et le combat qu'il est en train de faire pour tous les Guinéens. Ce n'est pas seulement pour lui. Ce n'est pas seulement pour lui. Donc, c'était juste une petite analyse. Remarquez, moi, je suis de votre part tous les jours. Tous les jours que vous faites des directs, je n'interviens pas. J'essaie de voir les sujets que vous abordez et tous les intervenants. J'essaie de prendre leurs idées. Et voir, et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Si je viens en France, j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour faire cette petite analyse. Et aujourd'hui, la politique a fait que les Guinéens sont conscientisés. Oui. C'est très bien. Et moi, je suis content de cela. Tout le monde parle de la politique. Tout le monde, tous les Guinéens aujourd'hui parlent de la politique. Oui, oui. Donc, les Guinéens ne parlent de chose. L'éducation, quoi, rien du tout. Oui. C'est la politique. Si vous allez à Fabonné, si vous allez à Fabonné, oui. Ce n'est pas. Ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est le bien-être de la population guinéenne. Et ce bien-être, à la rame de là, on ne peut rien d'autre faire si ce n'est ce qui est derrière. Pour le moment, pour l'instant, il n'y a que ça. Et ça encore, c'est la faute à qui? C'est la faute à Alpha. C'est lui qui a fait que ce loin là encore. Exactement. Il a minimisé ce homme. Aujourd'hui, ce homme-là est devenu un grand homme. Un grand homme, pas seulement pour sa famille biologique, mais pour la Guinée, pour la population guinéenne. Il est devenu un grand homme pour tous les Guinéens. Et ça, c'est un acte à saluer et à accompagner ce monsieur dans son combat. Et ce combat, parce que ce combat, une fois, on ne sait pas, dans une année, dans deux ans, vu qu'il a fait un mandat de 10 ans, on est là, on sera là, on va l'accompagner. Oui, on va l'accompagner. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Et c'est gratuit. Et c'est clair, on est là, on est en France, pour la grâce de Dieu, on a d'opportunités par rapport à nos qui sont guidés au côté internet ou quoi. C'est vrai. Oui, et sécurité c'est aussi. Exactement, c'est un privilège que nous on a eu. C'est pas pour autant qu'on se dit qu'on a la chance par rapport à eux. Non, Dieu en a voulu comme ça. Donc, on va pas se fatiguer. Qui sommes à l'hôpital, qui sommes ici en France, que ce soit en France, à Belgique ou que ce soit. Donnons-nous la main. Soyons toujours présents et à manifester autant de fois qu'il faut pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on est sans savoir que la Guinée, c'est chanceux, madame. Je viens de la Guinée il y a 4 mois. Mais je vous dis, un de ces jours, je vais vous appeler en direct, c'est-à-dire en privé, pas sur la chaîne, je vais vous expliquer réellement qui je suis. Dans le sens que je ne vais pas dire mon nom là sur place, mais je vous le dirai en e-post. Comme ça, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas voulu me présenter. Je vous remercie, madame, pour mon courage. Continuez sur le combat que vous menez. Ça se voit. Vous faites peur. Vous faites peur à beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir, madame, que vous criez mal. Sauf en vous voyant, les gens travent. Les gens ont peur. Ah bon? À ce point. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous m'accompagnez? Ah oui, oui, yo. Vous savez, madame, dans la vie, là, mieux vaut avoir
un combat qui est un combat pour tout le monde. Oui. Et vous incarnez en fait la sagesse. Oui. Là, on voit, quand vous parlez de la politique, il y a des gens qui on est là à vous traiter de tous les noms, mais la vérité, elle est là, madame. Oui, oui. Donc, on vous encourage et on salue tous les auditeurs qui ne se fatiguent pas. Continuez à suivre les directs, partagez les directs de madame Tissebo, partagez au maximum, c'est gratuit. Vous connaissez sur sa page, vous voyez qu'elle est en direct. Connaissez, partagez, envoyez des cœurs, parce que comme elle le dit souvent, cette dame, elle n'est pas payée. Son salaire, c'est les cœurs que nous l'envoyons. Oui. Donc, ne nous fatiguons pas. Ces cœurs-là, c'est gratuit. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Et prenez soin de vous, madame. Merci, nous sommes à ce cœur avec vous. Nous vous accompagnons. Merci. Partout où il veut. On est pour un mandat de 10 ans, un soi-disant mandat de 10 ans. On va les accompagner. Wallah, il les accompagnateurs de mandat. On va les accompagner, il n'y a pas de problème. Oui. C'est là où Alpha va se dire, ah non, les gens, vraiment, la population qui n'est pas accompagnée. Oui, oui. Oui. D'accord. On va l'accompagner, madame. Nous allons vraiment, avec tout cœur, nous allons accompagner ce monsieur. Parce qu'il sait qu'il n'a pas sa place. Ah, vous savez, quand vous accompagnez un voleur, sachant qu'il sait bien qu'il est un voleur, derrière vous, à un moment donné, ce voleur là-bas, il va se poser la question. Mais pourquoi les gens savent que j'ai volé, mais oui. Ils sont là en ma compagnie. Oui, oui. À un moment donné, oui. Mon ami va se raccourcir. Oui, oui. Tout le temps, il va se raccourcir. Oui. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Merci, merci. Donc, voilà. Et vous savez aussi à la population guinéenne. Merci, merci. Qu'Allah vous paye. Merci à vous aussi. Inch'Allah, bientôt. Au revoir. Okay. Allah, wallahi, wallahi. Donc, on va rester là. Je vais voir si je veux. Fode Baba, toi aussi. Laisse-moi tranquille maintenant, toi aussi. Je vais voir si je peux joindre l'autre monsieur par rapport à la fête. Et le jeûne de demain, Inch'Allah, je vais voir tout à l'heure, parce qu'il est en Guinée, la fois dernière, je l'ai raté, parce qu'il y avait, comment ils appellent ça, la foudre, beaucoup de tonnerre, qui... donc voilà, c'était pas bon pour appeler. Bon, Inch'Allah, peut-être à tout à l'heure ou à plus tard, je sais pas, on verra. Merci à tout le monde et tous ceux qui ont intervenu, disent bonjour aux auditeurs, à ceux qui regardent et tout. Donc, ceux qui vont regarder plus tard, tout le monde vous dit bonjour. Et partagez et appuyez la notification parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils ne voient pas quand je suis en ligne. Donc, il faut appuyer pour que ça sonne chez vous quoi quand je serai en ligne. Parce que les pages ont des restrictions, vous le savez. Et puis, on va faire avec, c'est ça. Comme je l'ai dit, Alpha, c'est un délinquant politique. Vous pouvez faire des vidéos, m'insulter mes parents, ça ne changera rien. Ça reste un délinquant politique, c'est un raté, c'est un politicien raté, c'est un produit périmé de la France. D'ailleurs, ils vont nous aider parce que nous allons commencer à manifester en France ici. Ils vont nous aider à récupérer leur produit périmé pour venir le soigner gratuitement ici parce qu'il n'a pas fait d'hôpital. Vous n'allez pas me dire que celui-là n'a pas fait d'hôpital. Vous allez nous rappeler cela aussi. Ça va être difficile si vous nous rappelez tout le temps les anciens ministres, tandis qu'il y a des anciens ministres à côté. C'est à cause de Alpha que celui-là s'est présenté. Il aurait pu nous débarrasser de ce celui-là. Il ne l'a pas fait. Donc, comme le monsieur vient de dire, on va l'accompagner. C'est pas grave. Ça aussi, ça sera gratuit. Merci à tout le monde. Alors, on birin kantaro na tangaro on sutra binyen nugino sutra rasa mi sin dibirin ma rasa on tamfama. Alors, on bayi sentane toira. Alors, Alpha Condé na rayi groupe findi la Guinée sentane mengedongoira.